Jean-Pierre et Mélissa Amougou-Belinga sont désormais unis dans le respect de la tradition. Mais comment je pouvais garder la clinique fermée quand le Zomloi, les gars ont réussi à braquer l'église? Ah bon? Le gars a pris en piste, il a braqué Dieu, il a dit à Dieu, tu célèbres mon mariage polygame. Quel peuple, n'est-ce pas le peuple, il va se comprendre, t'es Dieu tout plus. Quel peuple! Le prêtre dit non, grand frère dit au prêtre que hey, même Dieu aime l'argent, prends. Eh hey, mon frère. Ha. Les gars ont humilié même Dieu. Quoi? Quand vous dites que donner le café aux hommes lois, à Mogo Belinga, le seul bonhomme qui réussit à corrompre Dieu. Il réussit à faire passer l'église catholique pour une petite secte de villageois. Mais ta tête, c'est les pop-corns. Il n'y a rien de... Parcero, il est dans son délire, frère. Pars d'ici. C'est fumer la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman, à présence de tes parents. Hein? Et j'ai vu à côté de lui. Tu connais que le garde des sceaux, mais le gars, il était en train de garder le sceau juste derrière. Derrière Amougoué. Le garde des sceaux était là, tranquille, en train de garder aussi le sceau. J'ai dit que, mais mon frère, hé hey. Monsieur Amougou-Belinga Jean-Pierre, voulez-vous prendre mademoiselle et tout le sceau et Mélissa Ronald ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle et tout le sceau et Mélissa Ronald, voulez-vous prendre Monsieur Amougou-Belinga Jean-Pierre ici présent? Oui, je le veux. Mademoiselle Mélissa et tout le jouet Ronald. Moi, Jean-Pierre Amougou-Belinga, nous sommes loin, à mon goût. Nini.
Le zomlo des hommes là. Le zomlo des hommes là. Application de l'ordonnance numéro 421-02 du 29 juin 1981 et portant statut de l'État civil au Cameroun, je vous déclare unis par les liens de mariage, par conséquent, mari et femme. Et tu as humilié l'Église. Tu as fait des hommes d'Église, des prêtres, en fait des petits mendiants tous en train de courir après les prébendes. Mélissa et Jean-Pierre, c'est le cas pour vous. Que Dieu vous accorde la grâce dont vous avez le plus besoin. Soyez prospères dans votre amour, puisque vous vous aimez. Et vivez en sachant que l'éternité nous attend. C'est souillant. Hein? Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Pourquoi c'est quoi? Mais maintenant, si on... Oh. C'est tous. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.